Bonjour les amis, de retour sur Assassin's Creed Valhalla. Donc, bon visionnage. Donc de retour au fort que nous avons attaqué avec mes compagnons vikings et mon frère Sigurd. Aïe. Voilà. À ton tour. Elle refuse de me parler. Eivor s'en occupera. N'aie crainte. Petite cinématique. Tu as épuisé mon ami Oub, mais moi je suis en pleine forme. Alors dis-moi où se cache Burgred et il pourra se reposer. Jamais. Tu choisis de te taire et d'endurer pour un roi qui se cache comme un mulot. Tout cela parce qu'il a peur de protéger sa famille et son peuple. Tu as soif? Mon mari accomplit son devoir pour la Mercy. Comment pourrait-il agir autrement, sachant que même ses plus proches amis peuvent le trahir? Transmet ce message à Théowulf. Il remportera cette bataille sur Terre, mais le diable a déjà gagné son âme. C'est quelqu'un de bien. Yeah. Je ne suis pas là pour parler à Théowulf. Je me moque de ce que tu penses de Théowulf. Il deviendra roi. Ce n'est qu'une question de temps. Burgred est le roi, élu par le Witan et consacré par Dieu. Je sais à quoi ressemble le camp des perdants. Et tu en fais partie. Nous avons pris Repton, Tamworth, Templebro et Leicestre. Votre espoir de paix diminue à chacune de nos victoires. Mais Burgred a ce qu'il vous manque. La loyauté de la population. Des hommes bons et fidèles. Qui? Les Thane et les Keol de Mercy? Non, seul Léofrit reste loyal. Et il tombera, lui aussi. Ce bon Léofrit, il mourra en protégeant son roi. Et qu'il gagne ou qu'il perde, il enverra une centaine des tiens en enfer. Eivor, noble dame, ne faites pas attention, je viens simplement compter mon butin. Oh mon Dieu! Attends, Ivar, tout de suite. D'accord, d'accord. Mais si tu tiens à rester, attention à l'odeur quand ils auront fini de digérer. Mon Dieu! Sors-moi de là! Par pitié! Parle, et nous te préparerons un bon bain chaud. Tu me demandes de trahir mon mari. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Si tu ne la fais pas, tu trahiras beaucoup d'autres gens. Les légendes vous décriront comme le roi et la reine, ayant abandonné leur royaume au moment le plus sombre. Mais la paix régnera. C'est l'engagement de Théowulf, et il sera honoré. En cela, tu as ma parole. Alors, notre oiseau a chanté? Oui, Burgred se cache dans une vieille crypte au sud. Là où se rejoignent l'Alnée et la Rouille. Une crypte? Ose dire maintenant que ce n'est pas un signe des dieux. Une longue route pour ramener un roi. Vous trois, assurez un chemin jusqu'à Tamworth. Où peut-on se retrouver? Amène-le au pont de Vénonis. C'est une ligne droite. Nous nous occuperons d'éventuels troubles là-bas.
Très bonne idée, les têtes. Un peu sanglant comme spectacle, mais ça l'a fait parler. Un spectacle? Ce n'est que moi. Empilez les soldats ici! Que ces gens puissent voir le carnage qui attend leur royaume. Bon. Maintenant, faut que je le pars où? Faut que je le pars là. Ah bah, je viens de téléporter là. Ça va aller plus vite. Mon armure est vraiment stylée. Et actuellement, ils font des petites promos sur les packs et les crédits Elix pour pouvoir acheter les tenues, n'importe lesquelles tenues. Je vous montrerai ça après la vidéo. Les amis, si ça vous intéresse, évidemment. Bon, nous avons donc un petit chargement, tranquille. Hein. Qui est assez long. Ah. On a un petit saut de la foi. Yep, dans le tas de paille. J'appelle ma monture. Hop les. Bon. Là, vous voulez pas passer ça. On va passer comme ça. Vous inquiétez pas, il va pas se noyer. Vous pouvez mettre votre capuche, hein. Ou de l'enlever, moi je l'enlève. De toute façon, sa capuche se lève automatiquement dès que c'est dans des endroits qu'il faut. Qu'elle ne doit pas être vue. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Beaucoup de gardes pour une simple crypte. Je doute qu'ils soient là pour veiller sur les morts.
semblait bien que toi t'étais pas mort. Maintenant tu y es. Bon, prudence avant tout. Et merde. On a déjà tué tout le monde. Il faut pouvoir être tranquille après. Bonne nuit. Maintenant. Cette maudite crypte me donne des frissons. Je dois le trouver, mais il est caché quelque part. Où que tu te planques, toi, petit fumier? Je dois être proche. Allez, lui, cramé, faloté. Willkommen hier zu Fährstor.
Hey, mais que... Vermine. Seigneur! Ton seigneur viendra pas t'aider. Ah, je l'ai trouvé. Non, 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 c'est impossible. Recule. C'est un couteau à beurre, ça. Tu me prends pour un bout de pain? Arrière. Recule, j'ai dit. Je vais me battre. Si tu insistes. Tu vas devoir me tuer. Tu as de la chance, je n'irai pas jusqu'à... Royaume est à moi! À moi! Je ne fuirai pas! Oh, je vais t'éclater, hein! Combat. Combat de rue. Bon, avant, je fouille. Et je m'occupe de toi après. Nous allons être en retard pour le couronnement. Ah. Ça, ça fait plaisir. Bon, pas la lettre, mais le petit coffre. Piquons tout ce qui traîne. Et après, on va s'occuper de lui. De toute façon, lui, je l'ai étalé. Allez, toi, viens avec moi. T'as le sac à patates. Allez. Maintenant, faut sortir de là-dedans. Pas par là, parce que par là, c'est la piscine. On a été de le noyer quand même. Ah. Je viens d'ici. Escalier avec une sortie. Voilà, lumière du jour, enfin. Allez, hop. De bouger. Tu penses avoir gagné? C'est faux. Léofrid, je l'ai dépêché avec l'ordre de vous éliminer. Silence. Votre situation
est bien pire que tu ne le crois. Bon, j'appelle mon... une plaie pour ce monde. J'appelle mon loup, il a décidé d'aller se baigner, cet imbécile. Vous ne méritez pas la merci. Au vainqueur le butin, seigneur. Pour mériter la merci, il faut la gagner. Ah, ça y est, t'es flot, toi. Laisse-moi descendre de là. Non. Je dois t'emmener, je t'emmène, je te laisse pas descendre. Putain, faut que j'alloue exactement. Nous y voilà. Tu reconnais ? Un petit chargement. Le changement est là, Burgred. Il ne manque qu'un couronnement. Un Witan rassemblant les seigneurs de Mercy. Burgred, mon amour! Tu es là? Tu es blessé? On t'a fait du mal? Non, non. Je n'ai rien. Allez, avance. Ton roi t'attend. Vous allez mourir, Danois. Vous avez scellé votre sort en venant me chercher. Je m'en suis assuré, croyez-moi. Les Zélotes sauront bientôt qui vous êtes. Peu importe où vous irez vous cacher, ils vous traqueront jusqu'au dernier. Ça suffit maintenant, tourterelle bavarde. Laisse le rôle du fou de Tamworth à mon frère. Les Zélotes. De quoi il parle ? Oublie ça. Ce ne sont que des prophéties sans valeur. Viens avec moi, ami des loups. On a un peu de temps avant la cérémonie. Où allons-nous ? Nulle part en particulier.
J'ai juste envie de faire la fête. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Tu t'es fait une image de moi assez sombre, n'est-ce pas? Je ne t'en blâme pas, d'ailleurs. J'ai moi aussi une opinion à ton sujet. Tu mènes l'agneau au sacrifice? Qu'est-ce que je disais? C'est sombre, beaucoup trop sombre. Oula! Fiche le camp! Assieds-toi. Je sais que j'ai agi comme un crétin, mais tu sais te battre, et c'est une chose que je respecte. Alors disons qu'Ivar le sans-os considère Eivor comme une amie. Qui t'appelle le sans-os? Je dois ce surnom à une charogne que j'ai tuée en Hibernie. Ses boyaux ont nettoyé ma lance. Il m'appelait comme ça parce que je bouge comme un roseau dans le vent. Pas parce que la boisson ramollie t'est partie? Le Valhalla, c'est là que je finirai. Je flaire déjà le sang et je peux goûter l'hydromel. Je serai assis à côté du Très-Haut, la hache à la main. Une fin digne d'un Ragnarsson. Ha! Tu l'as dit. Alfdan et moi irons là-bas. Mais, Ube... Non. Je ne crois pas que nous cherchions la même victoire. Plus maintenant, en tout cas. Et qu'est-ce que désire Ube? Devenir vieux et gras dans une ferme quelque part. Des petits Ube autour de lui. Il veut un héritier? C'est chose courante? Pas pour des guerriers. Pas pour des Drengir comme nous. Il n'était pas comme ça avant. Mais cet endroit, cette Angleterre, la ramollie. Les gens changent, tu sais. Nous pouvons choisir de changer avec eux ou de suivre un autre chemin. Si cela te préoccupe autant, pourquoi ne pas suivre ta propre voie? Parce que c'est mon frère. Je l'aime. Et je ferai tout ce qu'il faudra pour le ramener vers mon mode de pensée. Nous sommes des guerriers, et cela jusqu'à la mort. Oh, le mal de tête. La nuit a été longue. J'ai raté le couronnement. Son état est pire que le mien. Eh ben, les amis, je vais donc couper la vidéo là. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez, portez-vous bien. Tchuss.